Au départ, il y avait quelques milliers de visiteurs quand la basilique a été construite. Maintenant, il y a actuellement sur le site 2,5 millions de visiteurs, ce qui est absolument énorme. Et pour autant, la structure d'accueil n'a pas évolué. C'est que les gens disent, ben, on est bien à Fourvière, mais on n'y reste pas. On vient pour faire ce qu'on a à faire et on repart. Un manque de convivialité peut-être, un manque de structure d'accueil, vraisemblablement. Ce ne sont pas des gens qui viennent forcément pour visiter un lieu de culte, mais de se dire à un moment donné que dans ce que l'on propose sur le site de Fourvière peut-être les amener à réfléchir, à se poser des questions, à se sentir accueillis et peut-être finalement leur proposer indirectement une ouverture à la foi. Il est effectivement nécessaire d'avoir un accueil hors basilique, notamment pour accueillir toutes les personnes qui arrivent depuis le funiculaire et qui vont directement voir la vue sur l'esplanade. Un accueil qui sera personnalisé et j'ai envie de dire un accueil sur lequel ils buteront forcément quand ils se trouveront sur l'esplanade. De faire justement que le lieu soit accueillant, c'est qu'on puisse l'entretenir bien, fleurir. Qu'il y ait un centre de services un peu démultiplié pour que chacun puisse trouver la carte postale qui lui va bien. Bah, il faut multiplier les restaurants, les lieux d'accueil, qu'on puisse être bien, que l'on puisse avoir une exposition, une muséographie qui soit permanente ou provisoire, mais qui raconte et le lieu et l'évolution du lieu. Mais des gens qui viennent du monde entier, avec des demandes, des besoins, une disponibilité très diverse. On a l'impression qu'ils ont envie aussi d'être un petit peu guidés sur des parcours, touristiques, pourquoi pas, sur la colline même, un parcours spirituel, un parcours culturel. On est à côté du musée gallo-romain, on est à côté d'autres musées, et il y a les théâtres et amphithéâtres qui sont pas loin, donc il y a de quoi voir. Il faut que nous, on puisse faire une offre très très large pour que quiconque vienne à Fourvière trouve une porte d'accès qui lui corresponde. Plutôt que ce côté, c'est de glacis, très froid, c'est intéressant de retrouver un lieu avec plus d'intimité, plus de chaleur, plus d'humanité. Il faut que cette nouvelle ambition pour Fourvière, elle se voit. Il faut qu'il y ait des gestes architecturaux qui fassent qu'à côté de la tradition, des racines de Fourvière, il y ait une touche de modernité qui montre ce Fourvière qui se projette dans les siècles comme elle est à la fois Fourvière héritière des siècles qui nous ont précédés.